Vas-y, casse-toi avec ton portefeuille, tiens, prends-le et va-t'en. Comment ça, casse-toi? Vas-y, c'est bon, va-t'en, va-t'en. Comment ça casse-toi? Va-t'en, c'est bon, on me prend pas la tête là. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous inviter à rejoindre en masse ma chaîne secondaire. Je mettrai le lien en description. Vraiment, venez vous y abonner, c'est important. Dessus, il va y avoir très très lourd, il va y avoir des vidéos exclusives, des vidéos avec un petit peu plus de risques. Mais pour cela, j'attends qu'on soit un petit peu plus d'abonnés dessus. Pour l'instant, on est 30 000. Si on pouvait monter à 50 000, franchement, ce serait énorme. Et comme ça, je pourrais vous balancer du très très lourd. Donc venez vous abonner en masse, je vous mets le lien en description. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo expérience sociale où je vais piéger un voleur de portefeuille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber mon portefeuille devant une personne. On va répéter la scène jusqu'à tomber sur une personne qui ne me rendra pas le portefeuille. Et vous le verrez, on piégera cette personne malhonnête. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît, à vous abonner pour faire gonfler mon ego. Et aussi, bon, on vous le répétera jamais assez, mais faites attention à vos affaires et vérifiez toujours vos poches, regardez que vous n'avez rien perdu. Car parfois, oui, dans ce monde, il y aura parfois des personnes qui ne vous rendront pas vos affaires. Sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo et je vous laisse un bon visionnage. Excusez-moi, bonjour. Vous avez pas vu un portefeuille par hasard? Comment? Je crois que j'ai fait tomber mon portefeuille. Le portefeuille? Vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu le portefeuille. J'ai perdu mon portefeuille! Vous avez vu mon portefeuille? J'ai pas vu de portefeuille. Peut-être que tu l'as fait tomber par là-bas ou je sais pas. Là, va voir un peu là-bas. Je suis allé voir déjà. Désolé, c'est l'émotion qui m'a. Non, y'a pas de problème. Tu l'as fait tomber quand? Arrête. S'il te plaît. C'est un portefeuille, c'est bon. Portefeuille! Comment je vais faire pour rentrer à la maison sans le portefeuille? Je sais pas ce que tu me racontes, c'est un portefeuille, c'est bon, c'est pas grave. Mais non, ma femme, elle va jamais me pardonner! Ah, mais c'est toi l'homme ou c'est pas toi l'homme? Tu dis à la femme, va-t'en, c'est mon portefeuille, je l'ai fait tomber! On l'a fait ensemble, ce portefeuille! Tu pleures en plus. C'est notre portefeuille! Il avait 4 ans, c'est tout pour moi, c'était notre portefeuille! Mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle va me tuer, sa mère, sa grand-mère, toute sa famille! C'est notre portefeuille! Il venait d'avoir 4 ans! C'est un portefeuille! Non, c'est pas un portefeuille, c'est mon portefeuille. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Prendre la tête là avec ton portefeuille. Arrête de parler de portefeuille, tu vois bien qu'il n'y a pas de portefeuille. T'es sûr, tu l'as pas vu quelque part ici? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai fait tomber juste là. C'était ici exactement, je crois. J'ai senti, mais en fait, j'étais dans un bug. C'est-à-dire que je l'ai fait tomber et je me suis rendu compte après, tu vois. Je sais pas. J'ai senti, c'est dans mon cerveau, ça s'est embrouillé. Ah, dans ton cerveau, ça a dû s'embrouiller, c'est pas rien à voir. T'as dû le faire tomber autre part. Moi, c'est pas tombé ici, regarde, tu vois bien, y'a rien du tout. T'es sûr et t'aurais pas un autre portefeuille pour moi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me donnes un autre portefeuille, après... Ça va être difficile, parce que ma femme, elle va... Et je te connais même pas, tu me parles de portefeuille, tu veux échanger mon portefeuille. N'importe quoi. Bah vas-y, s'il te plaît, tu peux bouger là, parce que là, tu prends la tête avec ton portefeuille, tu pleures pas... J'étais sûr de l'avoir fait tomber ici, le portefeuille. Eh ben, finalement, tu t'es trompé, tu vois bien qu'il y est pas. Tu peux pas m'aider Quoi, il y a marqué j'aide les gens qui ont perdu leur portefeuille sur mon front. Eh ouais, c'est mon portefeuille quand même. Tu sais ce qui est marqué sur mon front? Débrouille-toi. Allez, attends. Je suis sûr de l'avoir fait tomber ici, dans mon cerveau. C'est bon, arrête de me saouler. C'est bon, je m'en fous, tu vois bien qu'il n'y a pas ton portefeuille. Arrête de me prendre l'air là. Attends. Toi? Non, pas toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, pas toi. Non. Comment ça, voleur? À qui tu parles? T'es un voleur, ça reste entre nous. Mais ne me parle pas comme ça, Ne me parle pas comme ça, je vais commencer à m'énerver. T'es un voleur. Bah écoute, y'a quoi que tu comprends pas? Je suis pas un voleur du tout. C'est toi qui as volé le portefeuille. Ça reste entre nous. Personne ne le saura. Bien, y'a pas de vol. C'est mon portefeuille, C'est quoi ça?
c'est mon portefeuille. Ah, tu l'as sorti d'où? Tu l'as chié ou quoi, le portefeuille? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est mon portefeuille, rends-le-moi. Ah, tu t'es levé, t'as chié le portefeuille. Rends-le-moi, il est tombé. C'est mon portefeuille. Ouais, qu'est-ce que ton portefeuille? C'est mon portefeuille. C'est mon portefeuille, gros, regarde. Qu'est-ce que c'est mon portefeuille? C'est la tête de qui, ça? Ah, c'est le tien. Ouais, c'est le mien, pourquoi? C'est mon portefeuille, ça. Vas-y, casse-toi avec ton portefeuille, tiens, prends-le et va-t'en. Comment ça, casse-toi? Vas-y, c'est bon, va-t'en. Comment ça, casse-toi? Va-t'en, c'est bon, ne prends pas la tête, là. C'est ton portefeuille, tu l'as, tu t'as pleuré depuis pendant 15 minutes. Mais le portefeuille, pourquoi il est tombé de tes fesses? Non, je voulais te voler, maintenant, j'ai plus envie de te voler, tu m'as gavé. Ah, tu voulais me voler? C'est bon, vas-y, casse-toi. Tout à l'heure, tu pleures pour ton téléphone, tu l'as maintenant, vas-y. Tu l'assumes? Ton téléphone, ton portefeuille de merde. Donc t'es un voleur? C'est bon, vas-y, casse-toi. T'es sûr que tu veux faire le feu? Je vais commencer à m'énerver. T'es sûr que tu veux t'énerver? Non, t'as ton portefeuille, arrête de saouler. T'es sûr que tu veux t'énerver ou pas? Est-ce que t'es sûr? T'es chaud? Est-ce que t'es très chaud? Est-ce que tu es pas de très chaud, casse-toi maintenant. Tu es chaud? Dis-moi oui ou non. Casse-toi, je te dis. D'accord, je m'en vais. Pas de soucis. Va-t'en. Pas de soucis. Mais tu es chaud, hein? Tu es chaud. Tu m'as dit que t'étais chaud. Y a pas de soucis, hein. Ça marche, pas de soucis. Allez, salut, hein.